Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un espèce de tag en fait. J'ai vu cette vidéo moi sur la chaîne de Kathleen Light, mais je pense qu'elle a dû déjà être faite avant sur d'autres chaînes. Mais en gros c'est comment est-ce que je faisais mon make-up quand j'étais à l'école. Parce que je voulais vous recréer un look que je vous avais filmé mais dont la vidéo n'est plus disponible sur ma chaîne parce que j'avais supprimé une partie de mes vidéos, je vous l'avais expliqué d'ailleurs dans ma vidéo retour. Mais en gros, je vous avais filmé une espèce de routine make-up en vous expliquant bien dans la vidéo que c'était vraiment très rare que j'ai une routine make-up et que là c'était un maquillage que je faisais depuis pas mal de temps. Mais en général, j'ai jamais de routine make-up, j'en avais déjà pas à l'époque alors que j'avais 17-18 ans je pense. Et maintenant, 22 ans, j'en ai toujours pas parce que j'ai toujours aimé expérimenter avec le maquillage, donc je fais très rarement deux fois le même make-up. Ou alors je le refais parce que je l'ai vraiment bien apprécié ou parce que j'ai envie de le filmer en tutoriel alors que je l'avais déjà fait une fois précédente. Aujourd'hui, je vais vous refilmer à peu près ce maquillage, j'ai pas exactement tous les mêmes produits mais les produits basiques y sont. Et vous allez voir qu'en fait, comme le truc de base est très très simple, j'ai envie de vous montrer aussi comment est-ce que maintenant je le porterai. En rajoutant juste 2-3 petits trucs et ça a vraiment juste changé complètement le look mais sans non plus en faire trop et en gardant l'idée du maquillage de base. Comme vous le remarquez aujourd'hui, c'est le fond noir parce que j'estime que c'est une vidéo tutoriel, donc... Ok, alors en général je me serais arrêtée ici, donc vous voyez une base, un fard de paupières et du mascara. En sachant que j'ai déjà été fort sur mon mascara comparé à ce que je faisais à l'époque, vous savez qu'à l'époque je mettais juste du mascara sur mes cils du haut, pas sur mes cils du bas. C'était pas du waterproof et je recourbais pas mes cils. Donc voilà, déjà je trouve que c'est déjà un poil plus portable que ce que je faisais à l'époque. Mais sincèrement, juste ça, je trouve que ça fait très vite œil de lapin malade. Donc maintenant ce que je vais faire c'est simplement venir creuser un petit peu mon œil avec un fard un peu plus foncé, faire mes sourcils, mettre un peu d'anti-cerne et surtout du rouge à lèvres. Parce que voilà, maintenant vous le savez sûrement, mais je suis accro aux rouges à lèvres. Donc parfait. Voilà, alors en gros moi je vais m'arrêter ici, j'aurais très bien pu rajouter du blush, de l'highlighter, etc.
Quoique en fait je le ferais bien parce que j'ai acheté la nouvelle palette d'highlighter de chez Sleek, donc peut-être que... Alors comme blush, je vais quand même venir appliquer un blush et un highlighter, en général je le fais vraiment pas tous les jours. Mais là comme j'ai envie d'essayer certains highlighters, je vais mettre quand même du blush, etc. Alors comme highlighter, je vais prendre la palette Solstice de chez Sleek. J'ai vachement envie d'utiliser la couleur un petit peu violette qui est là. Donc je crois que c'est ce que je vais faire. Alors, j'hésite à prendre le pinceau qui est là. Non, je vais pas prendre celui-là. Je vais venir prendre le highlighting brush de chez Park Avenue, qui était avant donc Barbara Hoffman, mais ça c'est une nouvelle, un des nouveaux pinceaux en fait, un dernier qu'ils ont sorti. Et je vais donc venir prendre cette fameuse teinte qui est la teinte hémisphère, il me semble, donc la rose violette. Je vais pas en prendre de trop parce qu'il me semble qu'ils sont vachement bien pigmentés. Ouh, il s'est pigmenté. C'est pigmenté, c'est très pigmenté, on va surtout pas trop. Je vais essayer de mettre, hop, juste sur le dessus de l'arête de mon nez. Alors si vous voyez pourquoi j'en mets que là, en fait c'est parce que quand vous avez un nez en triangle comme le mien, donc qui est fin et puis qui est beaucoup plus large au niveau de la narine en fait, vous devez surtout pas highlighter le bout. J'aime bien faire ça mais en général il faut éviter parce qu'en fait ça a tendance à élargir votre nez même si vous n'en mettez qu'au milieu. Donc en fait il faut surtout highlighter au niveau du dessus de l'arête et normalement contourer le bout. Mais personnellement, je vais juste aujourd'hui highlighter, je trouve que c'est largement suffisant. Allez, après je me laisse aller, je vais mettre aussi un peu sur mon arc de Cupidon. Et maintenant que ça c'est fait, je vais venir appliquer mon blush. Je vais en fait maintenant essayer d'appliquer toujours mon blush après mon highlighter, parce que je trouve que ça fait un plus joli fini. Donc là, je crois que vous voyez, mon highlighter, il est super brillant. Donc ici, je vais venir utiliser un blush plus ou moins dans le même genre de teinte que le rouge à lèvres. Donc là, c'est un genre de prune, donc il est un peu moins rosé. Mais je pense que c'est ce qui passera le mieux parce que ça reste dans le genre de tonalité. Et donc là c'est le Dream Bonzi Blush numéro 50 Plum Wine de chez Maybelline. Et je vais l'appliquer comme je fais d'habitude avec mon petit Stippling Brush de chez Ville Techniques. Parce que je trouve que c'est le pinceau qui est le plus adapté aux produits crème, que ce soit des contours crème ou des blushs. Donc là, ah, je viens tapoter. Effectivement, je trouve ça rend le shine de l'highlighter beaucoup plus portable, même si là j'ai l'impression que la caméra ça ressort à mort. Et voilà en gros comment j'ai transformé mon maquillage hyper basique que je mettais avant en cours vraiment très très simple en maquillage portable entre guillemets, entendons bien. C'est juste que là maintenant c'est comme ça que j'aimerais le porter et sincèrement je trouve que c'est vachement joli, ça fait pas trop chargé, vous avez effectivement une lèvre super chargée mais vous pouvez mettre quelque chose de beaucoup plus neutre. Mais les yeux sont hyper lumineux et c'est franchement super joli, ça agrandit bien le regard. Pareil, j'ai pas mis d'eyeliner juste parce que j'avais déjà mis le mascara et qu'en plus à l'époque c'est pas du tout comme ça que je le portais. Et que si je veux garder un minimum d'esprit du maquillage de base, il fallait que je le porte comme ça. Mais en tout cas voilà, j'espère sincèrement que ça vous aura plu et que ce genre de maquillage vous aura plu. Je tiens à préciser, en fait je vais essayer de le sortir pas trop tard histoire que ce soit toujours un peu dans le truc back to school. Mais sincèrement je me maquillais à l'époque pas parce que j'avais l'impression que je devais le faire. Je me suis maquillée très tard, enfin très tard non en fait. J'ai commencé vaguement à me maquiller, je devais avoir 12-13 ans, je mettais juste du kohl noir dans la muqueuse. On sait toutes qu'on a toutes commencé par ça. Et je pensais que ma mère le voyait pas, en fait je faisais ça tous les matins où elle était pas là. Mais au soir, enfin ça se voyait, je veux dire on voit quand vous avez mis du kohl noir, mais ça tient pas bien, vous en avez toujours près de vos cils, etc. Donc ma mère le savait très bien et un matin elle a genre fini par me faire, oui tu sais si tu veux te maquiller le matin, tu peux le faire quand je suis là aussi. Et voilà ça a commencé comme ça, puis je m'étais vite fait du mascara à une copine quand j'étais à l'école. Donc voilà, mais je me suis jamais maquillée vraiment énormément et j'ai commencé vraiment à maquiller, je devais avoir 16 ans je crois parce qu'il y a toute une phase où je me maquillais pas spécialement. Ça a été vraiment léger, puis il y a toute une période où je me maquillais plus spécialement et maintenant je commence à me maquiller, non. Vers mes 17-18 ans j'ai vraiment vraiment bien commencé à me maquiller, mais c'était, enfin c'est comme encore maintenant, je ne me sens pas obligée de me maquiller, je sors parfaitement sans maquillage, je suis pas gênée de sortir sans maquillage. Ça me dérange pas, bien sûr je trouve que j'ai un peu plus une tête de cul quand je suis pas maquillée, mais c'est comme ça, enfin je veux dire, quand je me lève le matin, je me dis pas mon dieu, je suis horrible, il faut absolument que je me maquille parce que j'aime le faire en fait. Donc forcément pour moi, je vais pas dire que c'est dans ma routine de me maquiller, mais comme j'aime ça, forcément je vais prendre le temps de le faire. Même si je sors bêtement chasser des Pokémon et que je fais rien d'autre, je vais me maquiller parce que j'aime ça en fait. J'aime tester un autre truc, je me suis acheté ça, je vais me dire, oh mais j'ai trop envie de le tester, ou oh mais j'ai pris cette palette là et j'ai tellement envie de me maquiller avec, ça fait longtemps, etc. Donc oui je vais me maquiller, mais pas parce que j'estime que c'est une obligation, juste parce que j'aime ça. Et c'est pareil, je pense pas qu'on devrait se maquiller parce qu'on estime que la société nous le demande. Par exemple, mais déjà arrivé d'aller au travail sans me maquiller et c'est pas choquant, enfin je veux dire, personne vous demande de vous maquiller. Et si vous n'aimez pas vous maquiller ou vous n'avez pas envie, il n'y a pas de raison que vous le fassiez. Si vous êtes jeune, je conseille qu'on se maquille pas trop tôt, mais bon, si jamais vous êtes jeune et que vous aimez vous maquiller, ben maquillez-vous. Voilà, je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire. Personnellement j'estime que ce que je fais c'est déjà beaucoup mettre de l'anti-cerne, etc, etc. M'arrive parfaitement de pas le faire. Avant je faisais pas mes sourcils et j'ai pas fait mes sourcils pendant des années, je crois que ça va faire
un an, peut-être un an et demi que je fais mes sourcils, mais ça fait vraiment, c'est vraiment récent, et surtout que je les fais quasiment tous les jours. Et encore, je mens parce que de la semaine passée, je me suis genre maquillée les yeux et je sais pas pourquoi, j'ai mis ce rouge à lèvres justement, et en fait, je suis sortie comme ça de la maison. Et c'est en sortant que je me suis dit à ma mère, mais en fait, j'ai pas fait mes sourcils, j'ai pas mis d'antisane, j'avais rien mis, en fait, j'avais juste mes yeux et mis du rouge à lèvres, genre comme quand je faisais quand j'étais beaucoup plus jeune. Alors après, maintenant que j'ai plus bien mes sourcils, je trouve que mes sourcils naturels sont vachement portables, c'est juste que si je fais un maquillage chargé, clairement, son sourcil, ça me choque un peu, mais ça n'a rien de choquant. Et je suis absolument pas obligée de maquiller les sourcils si je vais pas même les maquiller. C'est juste que je trouve que ça structure mon visage et qu'avec mes colorations, je trouve que avoir mes sourcils bien définis, foncés, ça donne bien. Après, c'est une question de goût. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent pas ça joli du tout. Par exemple, quand j'étais blonde, j'avais mes sourcils fort foncés, enfin, fort foncés, moyennement foncés, mais c'était beaucoup plus foncé que mes cheveux. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent pas ça beau du tout. Moi, personnellement, je trouvais ça très joli et comme j'ai les yeux bruns, je trouve que j'aurais trouvé ça vraiment bizarre d'avoir mes sourcils très clairs, d'autant plus que je sais pas les maquiller très clairs, étant donné que mes sourcils sont presque noirs en fait. Ils sont bruns très très foncés, bah, comme ma racine en fait. Mais donc voilà, c'était juste un petit speech comme ça. Question de, j'espère, remettre les choses à plat ou j'en sais rien en fait. C'est voilà, c'était juste pour vous mettre un petit peu. Voilà, bien des petites choses. Comme vous voyez aujourd'hui, j'ai utilisé quelques petits produits que je ne vous avais pas encore montré, notamment la palette Solstice de chez Sleek et la poudre Stay Matte de chez Rimmel que je trouve franchement pas mal. Et voilà, en tout cas, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous voulez me mettre dans les commentaires comment vous vous maquillez quand vous allez à l'école, ça m'intéresserait vachement. En sachant que, allez, en vrai, tôt, j'ai commencé à vraiment pas mal me maquiller. Et quand j'étais en supérieur, je me maquillais vraiment beaucoup parce que voilà. Enfin, en fait, non. C'est même pas que je me maquillais vraiment beaucoup. C'est juste comme maintenant, je fais parfois des smokies pour aller dehors genre en journée. Et puis, il y a des fois où je me maquille pas du tout et ça me dérange pas en fait. C'est juste que c'est vraiment au feeling. Et tel jour, j'ai envie de faire me maquiller, tel jour, j'ai pas envie de faire me maquiller. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne en fait. Donc voilà. Et si vous faites cette vidéo, sincèrement, montrez-la moi. Et j'adorerais voir votre version entre guillemets. Que vous ayez avant et comment vous l'améliorez maintenant, parce qu'il semble, il me semble pas que Kathleen ait fait ça dans sa vidéo, mais je sais pas, je voulais un peu vous montrer histoire de vous prouver que ben voilà, c'est pas parce qu'à l'époque je portais ce maquillage que maintenant ça me fait honte, absolument pas, j'aurais pu porter comme ça, c'est juste que oui, effectivement je vais rajouter un peu de fard foncé parce que sinon je trouve que ça structure pas du tout mes yeux. Je suis pas hyper branchée tag que tout le monde fait, mais celui-là je le trouve vraiment cool. Et du coup je me suis dit que ce serait pas mal de vous montrer ça, autant plus que voilà, pour moi c'était pas facile entre guillemets vu que j'ai jamais eu de routine maquillage. Mais ça je me souviens que je vous en ai fait un tutoriel et que je l'ai porté vraiment assez souvent. Et je sais pas, en y réfléchissant en fait, j'avais trop envie de réutiliser un peu ce maquillage là, donc voilà, c'est un fard. C'est mon premier fard Kiko en fait que j'ai acheté quand j'étais en voyage de retour, donc on était en 5ème secondaire. Donc ce qui chez vous équivaut à la première je pense, donc c'est pas la terminale, c'est l'année juste avant, donc la première je crois, chez les Français. Et j'étais devenue trop folle quand j'avais vu un Kiko et j'avais pris ce fard là. Donc c'est une color sphère, c'est un numéro 34, donc c'est une espèce de blanc, vous êtes super beau, pailleté à main. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. C'est gratuit, ça vous permettra juste d'être au courant de toutes les vidéos que je sors. Et puis bah c'est cool parce que ça vous permet de montrer que vous me soutenez, etc. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!